Wesh les potos, c'est Sois Cool au Mike et petite information en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un AverMedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'une exclusivité que je n'ai vu nulle part d'autre en parler. Donc c'est à propos des nouveaux coffres qui pourraient sûrement arriver sur Fortnite. Alors là je vais vous montrer un truc que j'ai découvert hier dans la vidéo que je vous présentais tout simplement, les coffres de Crazy Crow. Et bien en fait j'ai découvert un truc mais vraiment what the fuck. Donc au début je me dis c'est quoi ça, un bug de texture et tout. En fait non, j'en ai reparlé avec TrashDead et TrashDead il me dit c'est pas possible que ce soit un bug de texture de cette façon là. Tu vois, c'est un bug de texture, on voit le coffre à moitié, enfin voilà, on le voit en 140p tu vois. Mais là c'est pas du tout, c'est bien structuré et tout, il y a... Enfin, bref, vous allez voir, c'est vraiment hallucinant. Donc voilà, ça c'est la vidéo que je vous présentais les coffres à Crazy Crow d'hier. Donc je vous présentais tous les coffres de toute la map. Et à un moment, je suis rentré dans la petite maison que moi d'habitude j'ai toujours, que je vais tout le temps. Donc c'est une barbe petite maison. Et puis je regarde le coffre là, justement dans le coffre là, enfin dans le toit. Et qu'est-ce que je vois? Une caisse, mon pote, une caisse. Donc là, on va mettre pause. Et regardez cette caisse. Il est marqué 3 schist. Schist, ça veut dire coffre en anglais. Donc ça voudrait dire qu'ils ont créé, en plus, en fait ce qu'on pense, moi Trash et Melo et les autres, en fait ce qu'on pense, c'est qu'ils ont créé un coffre qui donnera 3 coffres en un, en fait, tout simplement. Alors ce coffre sera super rare, un peu comme les lamas. En parlant de lamas, je pense qu'ils ont augmenté le spawn de lamas, mais ça j'en ferai une vidéo à part, bref. Mais voilà, donc là, il y a 3 schistes, donc on pense que quand on tombera sur un coffre comme ça, eh ben, il y aura peut-être plus 3 fois plus de loot. Ou alors tout simplement, il y aura 3 coffres au même endroit. En fait, nous, on ne sait pas comment ça va être, mais je pense que carrément, Epic Games ne sait pas non plus comment ça va être. Parce que tout simplement, ils ont mis un carré, un rectangle, temporaire, parce qu'en fait, eux-mêmes ne savent pas comment... ils vont faire le design de ce coffre en fait. Parce que quand on va en solo, il y a des tonnes et des tonnes de coffres. Franchement, il y a des coffres mauve, bleu, violet, de toutes les couleurs là mec, de toutes les formes. Donc je pense qu'ils cherchent aussi à rajouter plusieurs types de coffres dans Fortnite. Ce qui est sûrement, c'est sûr et certain. Pourquoi il y aurait autant de coffres en solo et qu'un seul coffre unique en multi, c'est pas possible. Donc je pense qu'ils sont en train de créer des coffres différents dans le mode Epic Game, donc Fortnite Battle Royale. Donc je pense vraiment qu'ils créent des nouveaux coffres. Et ça, c'est un exemple de nouveau coffre. Bien sûr, il sera pas carré. Là, ils l'ont laissé en forme de boîte, quoi, en forme de boîte de carton. Mais ça sera pas comme ça. Ce qu'on peut déjà avoir comme information, c'est qu'il y aura 3 coffres en un. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il est marqué 3 schistes. Et c'est pas pour rien que c'est marqué 3 schistes. En plus, c'est vraiment marqué 3 schistes avec un lettrage, etc. Donc, ça ne peut pas être un bug de texture. En plus, on voit bien que la boîte, elle est vraiment carrée, enfin rectangle. On peut voir qu'il y a encore la fumée et tout. Donc, le 3, le schiste est souligné. C'est obligé, gros. C'est pas un bug de texture. Donc, c'est un peu comme les distributeurs d'armes et tout ça. Une fois, quand on l'a découvert, en fait, le type, il avait une connexion à... peu trop pourri et il est passé complètement à travers d'une montagne et il est tombé sur un distributeur, donc une sorte de distributeur. Bon, après ça s'avère vraiment l'exemple exact du distributeur, mais là je pense que ce que j'ai eu, c'était en mode studio bien sûr, j'ai eu l'exemple d'un futur coffre qui sera vraiment dans le jeu. Donc franchement c'est insane les potos. Donc franchement n'hésitez pas à en parler à gauche, à droite, n'hésitez pas à partager ma vidéo, parce que j'ai quand même fait une putain de découverte. Ce serait quand même bien que ma vidéo buzz un peu et que les gens en parlent, justement parce que c'est une nouvelle théorie, de nouveaux coffres quoi. Les futurs coffres arrivent sur Fortnite les potos. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire vos théories aussi dans l'espace des commentaires. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ce coffre, ces 3 chistes? N'hésitez surtout pas à me le dire, je regarderai vos commentaires et peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Parce que si vous trouvez un sujet très intéressant ou vous avez un point de vue complètement différent des nôtres et que ça tient la route, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi je vous donne ce que je pense.
nos avis à moi, Trash Dead et Melo et Johnny et tout ça, donc toute la team. Mais voilà, j'attends vraiment vos avis en retour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est une exclusivité les potos. Voilà, partagez un maximum les potos, ça me ferait extrêmement plaisir, ça ferait énormément de bien à la chaîne. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le faire, merci à tous ceux qui le feront, likez, partagez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, allez ciao, peace.